Nancy, plus que jamais, ville amie des enfants et des adolescents. 10 ans après l'obtention de ce label, la ville lance une vaste réflexion sous la forme d'états généraux de l'enfant dans la ville. Qu'est-ce que cela veut dire? À l'image de cette ville tolérante et solidaire, qui refuse les extrêmes, nous voulons instaurer une discussion ouverte, intergénérationnelle, généreuse, bienveillante, respectueuse. Nous tous, institutions, écoles, villes, mais bien sûr aussi parents, nous accompagnons au quotidien cet enfant. Notre idée avec la municipalité, c'est de voir comment l'ensemble des acteurs de la ville font en sorte que cet enfant soit davantage accompagné dans cette citoyenneté pour être demain ce citoyen éclairé dans un monde qui bouge, qui est troublé et qui a de plus en plus besoin de valeurs et de repères. Concrètement, 7 groupes correspondant à 7 thématiques vont se réunir pour témoigner, échanger et faire des propositions. Dans ces groupes, des élus, des fonctionnaires de la ville, mais aussi des acteurs de terrain comme les associations. L'expérience que nous avons sur la jeunesse, évidemment nous allons pouvoir nous en servir fortement parce que nous avons des professionnels sur place qui travaillent eux tous les jours. Et nous attendons en fait des états généraux, non seulement un retour sur ce qui est investi au niveau du personnel, au niveau des enfants, au niveau des adolescents, parce que la maison de jeunes et culture de Borgard est spécialisée sur l'accueil des préadolescents et des adolescents, mais également nous aussi nous pouvons amener, parce que je crois que les états généraux ce n'est pas ce qu'on peut attendre, mais c'est également ce que l'on peut amener, notre expérience afin d'en retirer, si vous voulez, une espèce de mélange, une espèce de soupe sur laquelle on pourra prendre le dessus, le meilleur, et pouvoir améliorer notre fonctionnement, mais également pouvoir également aider les états généraux à évoluer. Je suis venu ici en tant que témoin, en fait, pour témoigner de la difficulté qu'il y a, en fait, pour un parent isolé, d'élever son enfant seul, les difficultés qu'on rencontre dans les organisations quand on fait les démarches. Tous les enfants font la nouba avant d'aller s'endormir le soir. Non, mais attends, c'est parce qu'on le veut bien, il suffit de serrer les boulons, c'est tout. L'idée, c'était de cheminer dans l'interactivité. Donc ça, je crois que je dirais globalement, sans aucune modestie, Paris accompli, parce que cette interactivité permet aux uns et aux autres de se lâcher petit à petit et puis de s'approprier des comportements, ou tout au moins d'être à l'écoute de comportements qui sont peut-être... je dirais, du quotidien des gens, de ce qu'ils vivent. Là, nous étions tous heureux et ça faisait très très longtemps que nous vivions, depuis des siècles et des siècles et des millénaires et des millénaires. Dans le cadre des états généraux de l'enfant, donc on a constitué un groupe autour des questions de santé et de biodiversité. On a lié les deux et on s'est dit pourquoi ne pas organiser un après-midi dans un parc, puisque ce sont des lieux où on vit le vivre ensemble, entre générations. Une après-midi un peu festive, où on parle du bien-être, on parle du bonheur, le bonheur d'être ensemble. Moi je pense, on a déjà la médiathèque ou des bibliothèques comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de jeunes qui prennent l'initiative parce que ils connaissent pas trop ou c'est pas leur quartier, etc. Donc je pense plus d'espace où les jeunes pourraient se retrouver ou même travailler tranquillement et tout, ça serait pas mal. Je trouve qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables dans le... Enfin, parfois c'est assez dangereux pour les vélos. Concernant le logement à Nancy, à part le Crous qui propose des chambres en cité universitaire,
Moi, cette année, je me loge donc dans le privé et c'est excessivement cher. Surtout qu'au bout d'un an, on a la joyeuse surprise de se revoir les impôts et là, c'est... Le lundi, j'ai solfège après l'école. Je vais au conservatoire. Chinois, c'est pour apprendre la langue chinoise. J'ai cirque, de l'art plastique, de la danse, du piano. Art plastique, la guitare. J'ai allemand. C'est tout après. Je sais qu'il y a déjà des MJC, des structures comme ça qui proposent des activités. Mais je pense que ce qui manque, c'est plus des endroits de liberté complète. Bon, moi, je suis née à la campagne. La vie était forcément complètement différente. Hein. Il y avait des terrains d'aventure improvisés. Hein. Et nos parents n'avaient pas les mêmes soucis, forcément. On s'occupait avec pas grand-chose. On créait des objets, nos jeux, finalement. Et je pense qu'en ville, il y a des choses comme ça qui manquent.